Fais pas cette tête-là, Didier. Tout baigne. Je sais, c'est con, mais c'est ma première mission sur le terrain et j'ai un peu le trac. Bah, faut pas. Tu sais, ici, c'est la petite vie banale d'une brouillette de province. Hein. Kidnapping, attentat, vol, enfin... La routine. Ça te fait rien, toi. Allez, en route. Tu veux pas encore rester un peu avec nous? Ce n'est pas que je ne veux pas, Nicolas, c'est que je ne peux pas. Mais t'es à la retraite, t'as rien à faire. Détrompe-toi, Nico, depuis que je ne travaille plus, je n'ai jamais eu autant de boulot. Tu sais que ton grand-père s'est mis dans la tête d'écrire ses mémoires. Un gendarme qui commence à raconter sa vie, on sait jamais quand ça s'arrête. C'est toujours pareil. Je commence à peine à m'amuser que c'est déjà fini. D'abord, je suis encore là jusqu'à demain. Et puis... Et puis quoi? Non, oublions ça, c'est pas grave. Si, si. Non, j'avais pensé à une petite partie de pêche cet après-midi, rien que nous deux. Le problème avec les petits garçons qui boudent, c'est que ça fait fuir le poisson et les grands-pères. Je boude plus, je te promets. Merci, papy, t'es trop génial. Tu viens avec nous, maman? Oh, j'aimerais bien, mais malheureusement, moi, j'ai une autre sorte de poisson à pêcher. Pêche au gros? Non, pêche au chauffard, ça vient de sortir. On présente le monstre à la presse tout à l'heure. Alors amusez-vous bien tous les deux. Et attention aux requins. Hein? Pratique, efficace, discret et élégant, ce qui ne gâche rien. Enfin, c'est quand même le retour à la bonne vieille répression. Hein? Je me demande si c'est le genre d'argument qui va toucher mes lecteurs. Vous savez, avec 23 morts par jour sur les routes, je ne me pose pas vraiment la question. Bravo d'Alpha, vous me recevez? Parlez, Alpha. Véhicule Renault Mégane de couleur blanche, immatriculé 78 Zulu Romeo 51. Contrôlé à 123 km/h. À ce rythme-là, il est chez vous dans moins de 2 minutes. Reçu. Bon, alors je prends celle-là, tu me regardes faire et tu prends la prochaine, d'accord? D'accord. Bonjour monsieur Gendarmerie Nationale, pouvez-vous couper le moteur et me présenter les papiers du véhicule, je vous prie? Un petit problème? On a une petite question à 12 points. Est-ce que vous savez à combien vous rouliez? Figurez-vous que quand je conduis, je préfère regarder la route. Étonnant, non? Un monsieur a le sens de l'humour, ça se fait rare de nos jours. Alors je vais vous faire rire. Vous rouliez à 123 km/h, c'est-à-dire à 33 km au-dessus de la vitesse autorisée. Et maintenant qu'on a bien ri, va souffler dans le ballon. Étonnant, non? Trois automobilistes verbalisés en plus de 2 heures. Franchement, vous trouvez ça rentable? Rassurez-vous, mademoiselle, je ne suis pas payée à la pièce. Pas trop déçue par votre premier reportage? Oh, vous savez, je débute dans le métier, alors c'est normal qu'on me mette sur des trucs un peu nuls, hein. La différence entre nous, c'est que je ne débute pas. Oh, le salaud, 198. Attention, un véhicule noir marque BMW se dirige vers vous à près de 200 km/h. Interceptez-le. Bon, Alpha, on ne fait pas tournant. Le véhicule s'est engagé sur le parking du garage du Pont de Grès. Je répète, le garage du Pont de Grès. Il est coincé, c'est bon. Ok, bravo. On est là dans 2 minutes. Eh, pas de zèle, pas de zèle, hein. Quoi? De toute façon, le mec est fait comme un rat. Ouais, bah fais pas le con, Didier. Qu'est-ce qui se passe? À couvert!
Didier, réponds-moi, Didier, merde! Alpha de Bravo, individu armé et dangereux, il a ouvert le feu sur nous. Perso est touché, le SAMU, vite! Je vous en supplie, monsieur, ne me faites pas de mal. T'inquiète pas, je te veux pas de mal. Je veux jamais de mal au petit. Mais un mot, un geste ! Il se tue, c'est compris ! Une balle dans le thorax, grosse hémorragie pulmonaire, coma profond. Je vous avoue que je suis très inquiet. Tenez-moi au courant, minute par minute, docteur. Comptez sur moi. Reste avec lui. Merci, Clouseau. D'après le petit mécano, le type s'est enfermé dans la station avec une très jeune employée, Laurence Ferlet, 20 ans. Et du côté des renforts? Je vais voir l'escadron et nous envoie une équipe légère d'intervention en soutien. Bon, j'ai positionné Méga à toutes les issues, aucune chance pour lui de s'en sortir. Vous avez passé le numéro de la BM au fichier? Le véhicule signalé volé il y a 3 jours dans le département du Bas-Rhin. J'attends les autres collègues de Strasbourg. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous le faites exprès ou quoi? Allez, je fais mon boulot. Moi aussi, je fais mon boulot. Vous allez vous mettre à l'abri avec nos hommes, viens, occupez-vous d'elle. Mais je peux pas rester sans rien faire devant un truc comme ça, merde, c'est mon premier reportage important. Vous êtes pas d'accord, inspecteur Rivière? Adjudant Rivière, mais appelez-moi Francis. Écoutez, faites toutes les photos que vous voulez, mais évitez de vous faire abîmer le portrait par ce dingue. Ce serait dommage. Merci. Non! Ne vous exposez pas. Mon commandant. Bon, on a pu établir un contact? Apparemment, le téléphone a été coupé. Didier, comment ça va? Pas brillant. Bon, je veux un topo complet de toutes les entrées, sorties de secours et moyens d'accès à la station-service. Je m'en occupe. Rivière, vous prenez en main les effectifs Félix. Casque et gilet pare-balles pour tout le monde. Et aucune initiative sans mon ordre. Il faut absolument qu'on établisse un contact avec le ravisseur pour gagner du temps. Et surtout faire retomber la tension. Peut-être qu'une femme serait plus à même de l'amadouer. Vous sentez taille pour parlementer? J'espérais que vous m'en donniez l'ordre, mon commandant. Ah, je vous le donne, Isabelle. Mais si vous sentez que ça ne colle pas, vous laissez tomber tout de suite. Compris? Rassurez-vous, je n'ai pas l'âme d'un kamikaze. Merci. Laissez-moi partir, monsieur, je vous en prie. Mais tais-toi, tais-toi. Ici l'adjudant-chef Florent de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous m'entendez? Florent? Vous la connaissez? Je ne suis pas armée. On va essayer de discuter calmement. Répondez-moi, est-ce que vous m'entendez? Répondez-lui. Florent. Répondez-lui, monsieur, ça peut encore s'arranger. Oh, ta gueule, toi. C'est comme je vous ai dit, hein. À 3 mètres environ en face, c'est la réserve. Bon, là, vous êtes du côté des toilettes, je peux pas vous voir. Relâchez-la! Vous n'avez aucune issue! Pas question! Je les connais, vos pièges à la con! Je les connais par cœur! Bon, on ne peut plus attendre, le type est dingue, on va faire un bain de sang. Si tout est OK pour l'intervention, on y va. N'avancez pas, Florent! Sinon, je vais vraiment la flinguer! Et vous avec? Faites ce qu'il dit, madame, je vous en supplie! Restez calme, on va trouver une solution! Dites-moi ce que vous voulez! Attention! C'est fini, mademoiselle. Il n'y a plus rien à craindre. Merci, Rivière. Vous avez été formidable, mademoiselle. C'est fini. Bravo, Isabelle. Je n'ai pas fait grand-chose, mon commandant. Pour votre sang-froid. Les battements de mon cœur ont largement dépassé la vitesse autorisée. Ça, je m'en souviendrai. De quoi? La façon de faire battre votre cœur. C'est mon chef. J'espère que vous avez des pellicules dans votre appareil. Arrêtez, parlez pas de malheur. En tout cas, je voulais vous dire que avec vous, c'est pas aussi nul que ça. Merci, mademoiselle. Non, vous m'appelez Cécile. Et aussi que j'ai eu la trouille de ma vie. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Au revoir. J'étais sceptique. Merci. Sur ce nouveau type de munitions. Apparemment, j'avais tort. C'est quoi?
Comme cogne. Disons que cette petite balle en caoutchouc a 100 fois la puissance d'un direct du droit de Mike Tyson. Je peux ? Non. Ah si, c'est un trophée. Ah bah non. Ah non, si, c'est mon premier jour. Bon, d'accord. Bien, on va soigner la préparation de notre pêche miraculeuse pour la servir à ta mère. Qu'est-ce qu'il y a, papy ? Ça va pas ? Il est toujours en salle d'opération. Ouais, qu'il a perdu beaucoup de sang, qu'il y aurait des dégâts irréversibles. On s'est foutu. Ne dites pas ça, cousin. Pensez à notre collègue de Lens agressé par des hooligans pendant le mondial. Sérieusement, est-ce que vous pensez que Didier Bert soit commis une erreur en s'exposant ainsi? Même si je le pensais, ça figurera jamais dans mon rapport. Jamais. Je suis désolé. Schwartz Lucien, 48 ans, bien connu des services. Anarchiste un peu, anti-flic beaucoup. Condamné à plusieurs reprises pour divers crimes et délits. La dernière en date, il y a 5 jours à Strasbourg, l'attaque ratée d'un bateau de plaisance sur le Rhin. Butin, 0. Cavale de la bande dans toutes les directions. Bref, un vrai fiasco. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai participé à cette action ? Attends, un de tes complices vient de se faire serrer par la brigade fluviale de Strasbourg. Yann Vatrin, tu connais ? Tu connais pas Yann Vatrin ? Il nous a tout balancé. Votre technique d'abordage, comment vous dépouillez les passagers de tout ce qu'ils possèdent, toute cette violence gratuite. Enfin, tout, je te dis. Il t'a même chargé comme le chef incontesté de la bande. Il est pas sympa, hein ? J'espère pour lui que sa cellule est bien gardée. J'arrive de l'hôpital. Le gendarme Berceau est mort. Quoi ? Berceau est mort ? Aïe ! Je suis déjà condamné à perpète. Qu'est-ce que je risque de plus ? Me faire passer à tabac ? Ce sera pas la première fois. Adjudant-chef Florent. Regarde ce môme, il a 23 ans, tu l'as tué, sa famille est brisée. T'es fier de toi? T'es content de ce que t'as fait, enfoiré? Il paraît que vous aviez d'autres plans, d'autres objectifs dans la tête. Quand? Où? D'autres complices à toi sont encore dans la nature, leur nom. T'étais en route vers le sud, t'allais où? T'as une planque dans le secteur? Tu vas parler, je te jure sur sa tête que tu parleras, je te le garantis. Seulement en présence de mon avocat. Comme la loi m'y autorise d'ailleurs, après 20 heures de garde à vue. 20 heures. Sinon, vous risquez l'annulation pure et simple de toute la procédure. Je connais mon code pénal, monsieur Schwartz. Vous verrez l'avocat de votre choix dans les délais prévus par la loi. Maître Fontanelle, à Strasbourg. Très bien. Amenez-le en chambre de sûreté, je l'ai vu. On reparlera de tout ça plus tard. Pas très bavarde, ma fille, ce soir. Excuse-moi, papa, j'ai une journée éprouvante. Puis le commandant Beaulieu est parti tout à l'heure à Dijon pour prévenir les parents de Didier Berceau. Prévenir les familles, c'est la mission la plus pénible que j'ai vu accomplir dans ma carrière. Je n'aime pas te voir mêler à ces affaires-là. C'est trop dur, trop déprimant. Pourtant, dans ces cas-là, je me sens vraiment utile, tu sais. Certainement. Ça m'empêche pas de penser... Qu'une femme dans la gendarmerie, c'est pas terrible, hein. Etc, etc. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation, non? Merci de me le rappeler. J'ai tendance à radoter. J'en étais sûre. T'as même pas mangé ton poisson. Pourtant, ça donnait du mal avec papy pour me pêcher. Je suis désolée, Nicolas, j'ai pas faim. Mais si c'est pour les jeter à la poubelle, ça servait à rien de les tuer. T'as qu'à dire à Liliane, je sais pas, qu'elle les donne à son chat. Je suis sûre qu'il va se régaler, hein? Tu parles, il bouffe que du foie de veau. Alors mon poisson... Eh ben si c'est un chat snob, tu lui dis que c'est du saumon. Allez. Tu peux pas savoir comme il t'aime, comme il t'admire. Je lui redonne le temps que je t'ai volé quand tu étais enfant.
Oui, Florent, j'écoute. Bon, j'arrive. J'arrive. Désolée, papa, faut que j'aille au bureau. Ah, déjà? Ouais. J'ai même pas besoin de nous raconter des bobards. Tu n'en as fait qu'une bouchée. Tu veux? Tu t'en vas encore? Je descends, j'en ai pour 5 minutes. À tout de suite. Nicolas. À mon avis, ce chat n'aime pas le foie de veau. Mais il est trop poli pour le dire à sa maîtresse. Bonjour, madame. Adjudant-chef Florent. Maître Evelyne Fontanelle, du barreau de Strasbourg. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai pris le premier avion dès que j'ai eu votre message. Je suis désolée pour votre collègue. Faites ça, je vous en prie. Oui, je comprends votre émotion, mais tout prévenu a le droit d'être défendu. Même une ordure? Cette ordure est avant tout un homme. Je peux le voir? Suivez-moi. Vous connaissez Schwartz depuis longtemps? Depuis un peu plus de 3 ans. Je comprends la réaction de vos hommes. Mais je tiens à vous dire que Lucien Schwartz a certainement des circonstances atténuantes. Oh, je ne dis pas des excuses, mais des raisons valables, objectives, d'en être arrivé là. Gardez vos arguments pour le procès, maître. Vous en aurez besoin. Vous permettez? Je garde vos affaires ici. Je dois vous fouiller. Bien, vous connaissez la loi, une demi-heure, pas plus. Allez-y, ouvrez. Je vous attends là. Ne le prenez pas mal, adjudant-chef, mais j'ai une petite question à vous poser. La blessure à l'épaule de Schwartz, est-elle due uniquement aux conditions de son interpellation? Un passage à tabac dans les règles, c'est ça? Rassurez-vous, maître, ces méthodes n'existent pas chez moi et n'existeront jamais. Il m'a dit qu'il aimerait se raser et se laver. C'est prévu. Bien. Je pense que nous sommes appelés à nous revoir prochainement. C'est probable. Au revoir. C'est trop de chien. Attention au radar, papa. Oh, l'avantage d'avoir une fille gendarme, c'est de pouvoir faire sauter tous ces PV. On raconte là-dessus. Ta mère est une incorruptible, Nico. Les lieutenants à son côté, c'est le pire des ripoux. Et toi? Tu liras ça dans mes mémoires, si j'ai le temps de les écrire. Je peux regarder? Ah non, secret des France. Salut, Nico. Travaille bien. Et toi? Ne te fatigue pas trop et donne-moi de tes nouvelles. Toi aussi, ça changera un peu. Allez. Oui. Il viendra, va. Allez. Bon, visiblement, Schwartz ne dira rien. Rien sur ses complices, rien sur ses planques. Je viens d'avoir le parquet de Strasbourg en ligne. Il préfère joindre toutes les affaires qui le concernent et récupérer le dossier. Ce qui veut dire que nous devons convoyer Schwartz jusqu'en Alsace. Oui, aujourd'hui même. Je vous charge d'organiser le convoi et de prévoir les effectifs suffisants pour la sécurité du transfert. Bien, bien. Je m'en occupe tout de suite, mon commandant. Pour l'escorte moto, ne comptez pas sur Cluseau. Il tient à être là pour l'organisation des obsèques et l'accueil des parents. Je comprends. Quel salopard. Marc, il y en a une qui doit être contente, c'est celle qui a pris la photo. Génial, cette petite. Génial? Et elle est comment, cette géniale petite journaliste? Gonflée, marrante, comment dire? Petit visage ingrat, tu vois le genre? Bon, je vais t'aider. Dis-moi, Francis, tu vas rester longtemps absent? Je sais qu'on doit rester un petit moment, le temps de transmettre les infos aux collègues et aux juges, c'est tout. Mm-hmm. Mais je t'appellerai, t'inquiète pas. Dis-moi, Francis, t'as pas oublié? Oublié quoi? Le 23. Je vous dérange pas? Entrez, Isabelle. C'est pour Nicolas, Christine. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de tout. Je manquerai de rien. J'irai même le chercher à l'école. Bon, enfin, vous vous mettez au coin de la rue parce que vous savez comment il est. J'ai l'habitude avec Julia. Merci, Christine. À tout à l'heure, Francis. À tout à l'heure. Tu te souviens du soir où t'as été le chercher en uniforme? Oui, je m'en souviens. La honte des enfants de gendarmes.
Il y aura un reportage à faire sur ce sujet. Bah, ça tombe bien. Tu connais justement quelqu'un de génial qui pourra l'écrire. Viens par là, toi. Le 23, c'est notre anniversaire de mariage. Tu crois que j'aurais pu oublier une date pareille? Autorité, nous passons au point Echo 12, RAS. Passage en Echo 12 à 11h43, bien reçu Charlie 2. Isabelle? Oui, oui, tout va bien, oui. Ouf, un peu long, mais on arrive bientôt à Strasbourg. Et Nicolas? D'accord, je veux bien, merci. Au revoir. Oui, mon Nico. Comment ça va, chérie? Et l'école? Tout va bien? Bon. Mais écoute, je te rappellerai très vite. Hein? Je t'embrasse très, très fort. Je t'aime, mon amour. Oui, je t'aime. Au revoir. C'est beau, la tendresse. Ça vous étonne? Non. Non, ça me fait rêver. Votre père. Ne bougez surtout pas pour l'instant. Ne bougez surtout pas pour l'instant. C'est qui ces mecs en moto? Alpha, répondez, qu'est-ce qu'on fait? On n'intervient pas, on les suit. Quoi, ce bordel? Merde. Ne faites pas, Isabelle! Ne faites surtout pas! Oh, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester comme ça! Libérez Schwartz tout de suite! Libérez Schwartz, je dis!
nous faut des garanties, on va discuter. Personne ne tire. Laissez-nous un peu de temps, on va trouver une solution. Attendez, Isabelle, calmez-vous, je vous en prie. Prochaine balle, c'est pour l'autre jambe. Et après la tête. Vous avez 2 minutes. Deux. Libérez Schwartz, libérez-le tout de suite. On n'a aucune certitude qu'ils vont le libérer vraiment. La seule certitude qu'on ait, c'est que si on le libère pas tout de suite, ils vont la battre sous vos yeux maintenant, Isabelle. Libérez-le, bon sang. Il est encore temps d'arrêter tout ça, Schwartz. Je vous en serai tenu compte, je vous le promets. Tu l'as monté comment, cette opération? Comment t'as fait pour alerter tes complices? Pense à une bonne surprise. Ou la chance d'avoir des vrais amis. On se reverra un jour, je te le promets. Mais pas avec des balles en caoutchouc cette fois-ci. C'est quand tu veux, gendarme. Un jour, vous saurez peut-être le pourquoi de tout ça. Libérez-le maintenant! Relâchez-le! Urgent, véhicule break Volvo, couleur grise, direction de fuite vers l'est. Pas d'interpellation sans ordre. Je répète, pas d'interpellation. On les retrouvera, Isabelle, vous en faites pas. C'est de ma faute, mon colonel. J'ai perdu mon sang-froid. Que vouliez-vous faire de plus? Ouvrir le feu sur la voiture? C'était signer l'arrêt de mort de votre père. Le colonel Florent était en passe ici, n'est-ce pas? Il y a une vingtaine d'années, oui, à La Rochelle. Je suis restée auprès de ma mère. Elle était malade à l'époque. Mon colonel, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire. Mon père est blessé, chaque minute compte. Les brigades et les frontières ont été sensibilisées, la police allemande avisée, les patrouilles ont été renforcées. On ne peut rien faire de plus pour l'instant. Depuis qu'ils ont récupéré Schwartz, ils n'ont aucune raison de garder mon père en otage. Sauf s'ils ont un plan derrière la tête. Mais quel plan? Ils n'ont émis aucune exigence. Entrez. Mes respects, mon colonel. Adjudant-chef, je vous présente le capitaine Philippe Crémen, commandant la brigade fluviale. On s'est rencontrés en bas. Nous nous sommes connus il y a 5 ans lors d'un stage PJ. Ça va, Isabelle? Tu tiens le coup? Ça ira, Philippe. Je te remercie. Bien. D'après moi, si l'échange s'est produit à cet endroit précis, c'est qu'ils doivent avoir une planque dans le secteur. Vu le déploiement de forces mises en place, ils n'auraient jamais osé poursuivre leur route. Mais Schwartz a sûrement des complices, des amis, de la famille. Il faut faire jouer vos indics, vos contacts. Les recherches sont en cours, Isabelle. Tes hommes bossent avec les miens, tout le monde est sur le coup. Allez, viens, ça sert à rien de rester comme ça. Essayez de récupérer un petit peu, Isabelle, on se verra demain. Le complice de Schwartz que vous avez arrêté il y a quelques jours, Yann Vatrin, c'est ça? Il sait sûrement quelque chose, il faut l'interroger. Non, on n'a pas arrêté de l'interroger durant toute la durée de sa garde à vue. Il est incarcéré à Strasbourg, alors on y va. Non, on n'y va pas maintenant parce qu'il est plus de minuit, Isabelle. Si on y va maintenant, on va déclencher une émeute. On ira demain matin, tranquillement, d'accord? Voilà. Allez, prenez ça, Isabelle, ça vous fera du bien. J'ai jamais pris ce genre de choses, Pierre. Sur rien, c'est très léger. Hein. Prenez. Merci. À propos, dites-moi, Isabelle, vous tutoyez les capitaines maintenant? Ce sont des amis, oui. Alors, je suis pas votre ami. Pierre, je suis crevée. J'ai pas envie de jouer. Bon, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Salut. Bonsoir, Pierre. J'ai eu Christine au téléphone, je lui ai conseillé de ne rien dire à Nicolas. Vous avez bien fait, c'est sûrement mieux pour l'instant. Merci Francis. Bonne nuit Isabelle. Francis ? Oui ? Je repensais à la phrase de Schwartz tout à l'heure. Un jour vous comprendrez le pourquoi de tout ça. Ça veut dire quoi ? Une façon de vous narguer peut-être ? Mon père était en vacances chez moi. Personne ne le savait. Comment ses complices étaient-ils au courant ? C'est simple, dès qu'ils ont appris l'arrestation de Schwartz, ils ont dû rappliquer chez nous, rôder autour de la caserne. C'est comme ça qu'ils ont repéré votre père avec vous ou avec Nicolas. Il y a quelque chose qui cloche, je le sens. J'arrive pas à trouver quoi. Dormez, Isabelle. On y va clair demain.
Bonne nuit. Bonne nuit. Un parloir, bordel! Le train n'est pas là, Fred! Stop! Tous en file contre le mur! Ne bougez plus! Je ne comprends pas. Il était là à l'appel ce matin. C'est inscrit dans le registre. Les douches sont pas surveillées? Bien sûr que si, mais on ne peut pas tout voir. Isabelle? On ne touche à rien. C'est pas vrai. Les douches, c'est un endroit bien pratique pour effacer toute trace et indice. Des vrais vicelards, ces salauds. Vatrin était notre seul lien avec Schwartz. Comment a-t-on pu le laisser seul au milieu de ses co-détenus sans protection particulière? Vous voulez que je vous parle aux conditions de travail des sous-effectifs de la surpopulation carcérale? Je suis sûre que vous avez de vrais problèmes, monsieur. Malheureusement, je n'en vois que les conséquences et elles sont dramatiques. Les enfoirés. Viens, Isabelle, on analyse le centre opérationnel. Pas maintenant, Philippe, on a trop de boulot. S'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Soyez gentil. Ce crime a-t-il un rapport avec l'affaire d'hier? Tu dois réussir. J'ai réussi à me faire envoyer ici par mon canard. Ils ont vachement apprécié mon reportage. Bien joué, Cécile. Il s'agit d'une affaire extrêmement grave. Un ancien officier supérieur de gendarmerie, blessé, retenu en otage. Un jeune gendarme abattu froidement et pour terminer, ce règlement compte dans l'enceinte même de la prison. Les ravisseurs ont-ils lancé un ultimatum? Une demande de rançon? Non, rien pour l'instant, ce qui est assez inquiétant. Quoi qu'il en soit, nous avons plusieurs pistes qui nous amèneront immanquablement aux auteurs de ces crimes odieux qui seront arrêtés, jugés et punis. Pour cela, nous avons besoin de la solidarité de chacun. C'est pourquoi un numéro vert a été mis en place qui sera opérationnel dans quelques heures. C'est terminé, je vous remercie. Adjudant chef, le fait que votre père soit directement mis en cause change-t-il votre façon de mener cette enquête? J'espère que non. Je voudrais m'adresser directement au ravisseur. Il est encore temps pour vous de faire marche arrière. De relâcher Bernard Florent ou tout au moins de nous donner de ses nouvelles. Ce serait faire preuve d'une humanité qui, jusqu'à présent, vous a beaucoup manqué. En coupé, c'est terminé, monsieur. Attention, Isabelle, tu sors de ton rôle. Je sais que c'est dur, mais tu ne peux pas donner l'image d'une gendarmerie affaiblie ou en difficulté. C'est pas la gendarmerie qui est en difficulté, Philippe, c'est moi. Alors laisse tomber l'enquête. Parce que tu crois que je me suis pas déjà posé la question. Isabelle, je suis descendue au même hôtel que vous. Si vous voulez, on pourrait se retrouver plus tard pour parler calmement dans le hall. Parler de quoi? Bah, de vous, de votre métier, de votre position de femme dans un monde d'hommes, ça ferait un super papier. Un petit article pour la presse à sensation, avec détails croustillants et discrétion salée, c'est ça? Et si vous croyez vraiment que j'ai la tête à ça? Je suis désolée. Je suis un peu maladroite, mais je suis persuadée que je peux vous aider. À quoi? À retrouver mon père? Ah oui, pourquoi pas? Franchement, vous trouvez que j'en fais trop? Disons que vous en faites suffisamment. Et si vous décidiez enfin d'appeler Francis, je vous dépose. D'accord. Vous avez de la chance. Eh ben, elle a pas trop fait de dégâts. J'ignorais que vous étiez aussi médecin. Vous savez, colonel, je crois beau destin à moi. On finit toujours par se retrouver un jour ou l'autre. Je vous ai manqué à ce point. Vous avez presque oublié, hein? Jusqu'à ce que ce hasard, mais incroyable, alors ça m'est remonté, là, hein? Intact. Mon frère, il avait 19 ans. Ça, j'ai jamais oublié. Pourquoi vous m'avez pas abattu? Un militaire, c'est fait pour servir. Vous pouvez encore servir, colonel. Une monnaie d'échange? Non, de bouclier humain. Dur d'enfoiré de flic! Arrête, on examine pas trop! Quoi, ça sert à rien de s'embarrasser de ce boulet. Mais t'as déjà oublié nos projets. Alors tu te calmes, là. Ok, ça va. C'est bon. Oh, ne revenez pas trop, mon colonel. Ma haine de l'autorité a légèrement déteint sur mes amis.
T'as vu? Nos amis écolos sont sur le pied de guerre. Faut dire qu'on a eu de sacrés pics de pollution ces derniers temps. Ajoute à ça des prélèvements plutôt alarmants de l'eau du Rhin en début de semaine. Et ça, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est nous qui sommes chargés des analyses. Je serais pas étonné qu'ils nous préparent une action spectaculaire pour les jours qui viennent. Je t'ennuie. Excuse-moi. J'essayais juste de te faire penser à autre chose. Je sais, Philippe. Mais je suis désolée, j'y arrive pas. Bonjour. Monsieur et madame Vatrin sont là? C'est le monsieur et la dame à la table là-bas. Merci. Bonjour monsieur, adjudant-chef Florent. Monsieur Vatrin, je tenais à vous dire que... Nous sommes au courant. J'ai un beau frère qui travaille à la radio locale. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Désolé? Madame Vatrin, nous sommes persuadés que Yann a été tué sur l'ordre de Lucien Schwartz. Mais alors, pourquoi l'avez-vous laissé s'enfuir? Pourquoi n'avez-vous pas protégé mon fils en prison? Vous lisez les journaux, vous savez ce qui s'est passé. C'est votre père. Schwartz est une ordure. J'espère que vous l'attraperez et que vous le tuerez. Yann était un bon petit gars, vous savez. Il a commencé à filer un mauvais coton quand j'ai fait faillite. Puis j'ai dû vendre l'automoteur. Péniche, vous préférez. Monsieur et madame Vatrin étaient mariniers. Une profession sinistrée. Yann disait que c'était là. La société qui était responsable, qu'il fallait prendre l'argent aux riches. Est-ce que vous pourriez nous parler de ses amis, de ses relations? On ne voyait plus Yann depuis un bon bout de temps. Au début, il fréquentait la bonne société. Il nous donnait même de l'argent de temps en temps. Le resto marche mal, lui aussi. Puis, je crois qu'il a commencé à se droguer, là. Là, c'était fini. Monsieur Vatrin, j'ai autant de raisons que vous de retrouver Schwartz. Alors on le retrouvera. Je vous le promets. Au revoir. On va quand même pas coffrer tous les toxicos du département pour savoir s'ils ont connu Yann Vatrin. S'il vous plaît. Je connaissais un peu Yann. Un brave type. C'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. Vous savez des choses sur lui? Peut-être. Quoi peut-être? Oui ou non? Il fréquentait toute une faune un peu friquée à Strasbourg. Des types qui se retrouvent souvent au gouverneur. C'est une boîte au centre-ville. C'est là qu'il s'approvisionnait en dos? Et j'ai pas dit ça. Je sais qu'il m'a souvent parlé d'un type. Qui? Non, j'ai pas envie qu'il m'arrive des bricoles à moi aussi. Vous avez commencé, continuez. Ok. Il se fait appeler Chris. Je connais pas son nom de famille. Vaguement photographe de mode. Enfin, de charme plutôt, d'après ce que j'ai compris. Un mec pas très net, quoi. Vous savez que vous prenez des gros risques en nous disant ça. Mais bah j'espère que vous n'irez pas le crier sur tous les toits. Je vais vous dire, Yann c'était un faible, pas un vrai méchant. Il ne méritait pas ce qu'on lui a fait. Je connais bien le gouverneur. C'est un club assez sélect, fréquenté par la bonne société strasbourgeoise. Mais il n'y a jamais eu de problème à ma connaissance. Ça vaudrait peut-être le coup d'y faire un tour, non? Ah oui. Tu nous vois débouler là-bas? Papier, s'il vous plaît. On voudrait des tuyaux sur Chris le photographe et Yann le toxico. T'as peur ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Au gouverneur, on pourrait tomber sur des notables, des gens importants qui n'apprécieraient pas l'intrusion de la gendarmerie sur leur territoire. Non, arrête, arrête, Isabelle. Tu vas dire n'importe quoi, arrête. Remarque, je comprendrais très bien. Ça pourrait gêner l'avancement d'un jeune et brillant officier comme toi. Je vais te dire un petit truc, Isabelle, écoute-moi. Oui, j'ai peur. J'ai peur de toi, j'ai peur de tes initiatives hasardeuses. J'ai peur que ton implication dans cette histoire te fasse faire de grosses bêtises. J'ai peur pour toi. Je suis très touchée, merci. Ne va pas trop loin, c'est tout. Et toi, ne t'avise pas de me tenir en dehors du cours. Parce que je suis encore plus dangereuse quand je ne suis pas sous contrôle. Thank you.
voudrais m'adresser directement au ravisseur. Il est encore temps pour vous de faire marche arrière, de relâcher Bernard Florent, ou tout au moins nous donner de ses nouvelles. Ce serait faire preuve d'une humanité qui, jusqu'à présent, vous a beaucoup manqué. Quoi qu'il en soit, nous suivons plusieurs pistes qui nous amèneront immanquablement aux auteurs de ces crimes odieux qui seront jugés, arrêtés et punis. Pour cela, nous avons besoin de la solidarité de chacun. C'est pourquoi un numéro vert va être... Nicolas, écoute, je vais t'expliquer, Nicolas. Pourquoi? Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi maman m'a rien dit? Peut-être que des menteuses! Nicolas. C'est mon grand-père, vous avez pas le droit de me mentir. Écoute, Nicolas. Et puis laisse-moi tranquille, je suis plus un bébé! Nicolas, reviens! Ce sont les hommes de la brigade de Verny qui ont retrouvé la voiture de votre père ce matin, abandonnée dans un bois. Qu'un indice exploitable, j'imagine. Ils ont même pas touché au bagage, ni mis le feu à la voiture, sans sur deux. Il est en train d'écrire ses mémoires. J'espère qu'il pourra les terminer. Et quoi d'autre? Du côté de la prison, la loi du silence joue à plein. Et les fouilles des cellules n'ont rien donné. Quant aux recherches sur Schwartz, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Apparemment, il aurait encore sa mère, mais on n'a pas réussi à la localiser. J'ai tenté à tout hasard d'appeler Maître Evelyne Fontanelle, son avocate. Mais elle est toujours sur répondeur. De toute façon, elle est soumise au secret professionnel. Elle ne nous dira rien. Toujours aucune nouvelle de mon père. Ça commence à devenir inquiétant, non? Schwartz n'a aucune raison de nous donner de ses nouvelles, aucune. Et il sait bien qu'un gendarme à la retraite, ça n'a pas d'argent, pas de fortune. Que ça servira à rien de vous demander une rançon. Alors pourquoi le garde-t-il? Et à sa place, on ferait quoi? Au bout du rouleau, traqué, plus un sou en poche? Une seule solution, préparer un coup, mais un gros cette fois-ci. Votre père, malheureusement, représente une excellente protection pour la bande si ça se passait pas comme prévu. Excusez-moi. Christine? Bah oui, c'est moi. Ça va? C'est gentil de me demander de mes nouvelles. Je te la passe. Christine. Oui, Christine. Nicolas, mais... Comment ça, il veut plus me parler? Il manquait plus que ça, maintenant. Mais dites-lui que je vais lui écrire. Je vais lui écrire, tout de suite. D'accord. Merci de m'avoir appelé. N'hésitez pas. N'importe quand. Merci, Christine. Un problème, Isabelle? C'est Nicolas. J'ai eu tort de lui cacher la vérité sur son grand-père, cet idiot. J'en ai pour 5 minutes. Je vous retrouve à l'hôtel. Faites-vous beau, tous les deux. On sort ce soir. Bonsoir, belle inconnue. My name is Roland. Isabelle. Je peux? Je t'en prie. Vous n'êtes jamais venue ici? À votre avis? Je vous aurais remarqué. Je peux vous offrir un verre? S'il vous plaît, 2 whisky. Laissez-moi deviner. Vous êtes dans la finance? Pas vraiment, non. L'agroalimentaire? Pourquoi pas l'industrie lourde et pôleuse pendant que vous y êtes? Vous allez finir par me vexer. J'aime les femmes qui se vexent. Les femmes mystérieuses. Pas les femmes, d'ailleurs. La femme.
Isabelle. Belle Isabelle. Mais non, mais bien sûr, mais où ai-je la tête? Vous êtes dans le showbiz? Non. Actrice. Oh. Chanteuse. Non. Mannequin. Danseuse. Mm. Danseuse, c'est ça? Chris n'est pas là. Chris. On m'a dit que je pouvais le trouver ici, non? Mais tu caches bien ton jeu, toi. Non, mais tu brûlais, il m'arrive d'être modèle parfois. Et puis j'aime aussi bien m'amuser avec autre chose qu'un verre de whisky, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ok. Attends-moi là, Isabelle. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. C'est bon, Zalfric? Mm-hmm. Pas d'embrouille? Jamais d'embrouille. Ok. Alors on y va. Mon amour. Ah, ben Francis. Excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai... Non, mais c'est bon, il faut pas. Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester ici dans cette tenue. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Franchement, Francis, vous trouvez que ma tenue est plus moche que le papillon de ce ringard? Je vous en prie, mademoiselle, pas de scandale. Non, mais attendez, je me laisse pas parler sur ce ton pour une grosse catcheuse à la retraite, hein. Francis, vous m'invitez à boire un verre? Là, je peux pas parce que je... Merde. Excusez-moi, gendarmerie nationale. À mon avis, tu vas beaucoup lui plaire à Chris. Peut-être même qu'il va te proposer des photos. Mais attention, je fais pas n'importe quoi. Ah mais... Lui non plus. Salut Chris. Salut. Je te présente Isabelle, la copine dont je t'ai parlé au téléphone, qui a besoin d'un petit remontant. Attendez-moi là. Un vrai artiste. Pas mal, toi, tu sais. Je fais des photos. Et j'ai aussi des contacts dans la vidéo. Des copains allemands. Ça tombe bien, ils cherchent des hardeuses en ce moment. Ça tenterait pas? Faut voir. On va la tester tous les trois, hein. Ok. Puis après, on se fera un petit bout d'essai pour voir. À toi l'honneur. Tu vas voir, c'est de la bonne. Gendarmerie, personne ne bouge. C'est pas vrai. Tu t'en fous, une balance de merde. Mais je t'assure, j'en savais rien, moi, Chris. Tu bouges plus. Merci, Pierre. Rivière, qu'est-ce qu'il fout? Vous avez failli me semer dans la rue. Viens par ici. Un petit différent avec le videur dans la boîte de nuit. Heureusement, je suis tombé sur lui. Il m'a indiqué le chemin. Je suis pas trop en retard. Juste un peu. Non, je connais pas Schwartz. Et Yann? Non plus. Yann Vatrin, tu connais pas? Je suis pas un dealer, je vous dis, je suis un artiste. Un simple consommateur occasionnel. Tout ça pour toi? La bonne nature d'artiste. Je sais pas si c'est ça qui est le plus grave. Bien ça. Plus jeune, tes modèles. Genre de truc qui pourrait aller très très loin si on creuse un petit peu. Si je plonge, je peux faire plonger un tas de monde avec moi. Du beau monde, j'imagine. Et à votre avis? Mais t'as tout faux, mon vieux. C'est pas le genre d'argument qui nous fait peur, bien au contraire. Mais des flics d'extrême gauche, on aura tout vu. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, fais-moi confiance pour te charger un maximum. Mais je vous assure, je connais pas votre père. T'en es à combien? 3 grammes par jour? 4? Agis, mets-le en garde à vue. Je te signale qu'en affaire de stup, la garde à vue, elle peut être prolongée à 48 heures, voire même 3 ou 4 jours. Et c'est long, 4 jours. On va même pas t'interroger, mon petit bonhomme. On va te laisser moisir en cellule. Puis on verra bien dans quel état tu seras dans 2 ou 3 jours. Emmenez-le. Et
Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Pourquoi tu m'as pas prévenu avec tes initiatives à la con? Tu n'étais pas là. Et puis c'est pas utile d'être grossier. Ah oui, résultat des courses, tu me chopes un petit dealer minable et tu fous en l'air 6 mois de travail dans notre cellule antidrogue. Bravo. Non mais attends, moi au moins j'ai essayé de faire quelque chose. En plus avec ces histoires de pollution, je vais avoir des soucis avec les écolos dans les heures qui viennent. Mais si t'as tellement de boulot ailleurs, tu devrais me remercier de m'occuper de tout ce qui paraît secondaire. Le sort de mon père par exemple. Oui, alors ça va peut-être t'étonner, mais je suis encore capable de faire deux trucs en même temps, Isabelle. Tiens, voilà l'adresse de la mère de Schwartz. C'est pas vrai. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Sonnez Rivière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Madame Schwartz? Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Ouvrez, s'il vous plaît, gendarmerie. Oh non, laissez pas tranquille. Ouvrez-nous, il faut absolument qu'on vous parle. J'ai rien à vous dire. Parce que nous n'avons rien contre vous. Nous sommes juste venus parler un peu avec vous de votre fils Lucien. J'ai rien à vous dire. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait ces derniers jours? Il a tué un gendarme, oui, alors. Vous trouvez ça normal? C'est Roger, mon second fils, assassiné par les gendarmes, là-bas, au bord du Rhin. Ça fera 20 ans dans un mois. Comment ça, assassiné? Vous n'êtes pas l'innocente, vous le savez très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que Lucien est devenu ce qu'il est. C'est à cause de vous. Je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. Oh, alors c'est encore plus grave. Madame Schwartz, arrêtez. Essayez de m'écouter, s'il vous plaît. Votre fils a kidnappé un homme, cet homme est blessé. Et j'essaye de le sauver. C'est un gendarme? Oui, c'est un gendarme, c'est aussi mon père, pardon. Est-ce que vous croyez que la mort de mon père va faire revenir votre fils? C'est vous qui me l'avez pris. Je ne vous ai rien pris, madame. Alors c'est encore plus grave. Est-ce que c'est la mort de Lucien que vous voulez? Je sais même pas où il est. Et puis si je le savais, je vous le dirais pas. Allez, foutez le camp maintenant. Allez, maintenant, les gendarmes, dehors, dehors, dehors. Ça va pas, Isabelle? 20 ans. Il y a 20 ans, mon père commandait la brigade fluviale. Ça veut dire que Schwartz et lui se connaissent. Un jour, vous comprendrez le pourquoi de tout ça. Moi, je commence à comprendre le sous-entendu bizarre de Schwartz l'autre jour. Pourquoi votre père vous a rien dit? Il était là le jour où on a arrêté Schwartz. Il aurait dû faire le rapprochement. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Si le frère de Schwartz avait été assassiné par des gendarmes, comme vous dites, croyez-moi, ça se serait su et ça aurait fait du bruit. Ce n'est pas moi qui le dis, mon colonel. Enfin, Isabelle, tu vas quand même pas croire cette vieille folle. D'abord, elle n'a pas l'air folle. Et je trouve le silence de mon père sur ce sujet plutôt surprenant. Je ne suis pas au courant de cette affaire. Je n'étais pas en poste ici à l'époque. D'accord, mais il y a sûrement des traces de ce dossier dans les archives. On a peut-être mieux à faire que de fouiller le passé de la famille Schwartz, non, tu ne crois pas? Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Si le frère de Schwartz a réellement été tué par des gendarmes, ça veut dire qu'ils ont des raisons supplémentaires de retenir mon père. La vengeance, par exemple. Faites bien attention, adjudant-chef. Ce n'est peut-être pas un service à rendre à votre père que de sortir les cadavres des placards. C'est folle, c'est Baker. Normalement, ça c'est mardi après-midi, à confirmer. Beaucoup de fric? Mais rien que du gratin, je te dis. Des bijoux, de l'argent liquide, tout ce qu'il nous faut, quoi. Dangereux, non? À ton avis, hein. Notre fille a fait une connerie. Non, c'est pas son nom. Elle a arrêté un petit toxico qui connaît beaucoup de monde. Et le problème avec les toxicos, c'est que c'est bavard. Pour l'instant, je ne vois pas où est l'erreur. Mais il va falloir déménager et quitter notre petit confort d'hier. Je rêve. Mais... pas malin, hein, le retraité. Vous ne cherchiez pas à vous évader quand vous étiez en prison? Bien sûr que si. Sauf qu'ici, c'est moi le gardien. Et qu'on s'évade pas. Franck? Et le colonel qui veut nous quitter.
C'est exact. Lucien Schwartz avait bien affaire cadet, Roger. Tous deux spécialisés dans les agressions de plaisanciers sur le Rhin. Ils opéraient en Zodiac, improvisation totale, méthode ultra-violente. Ça, c'est le rapport qui détaille les circonstances de la mort de Roger Schwartz. C'est pas vrai. Lors de l'intervention des hommes de la brigade fluviale et dans la violente confusion qui s'en est suivie, Schwartz, Roger a fait une chute dans l'eau. Il a été repêché par les plongeurs, mais les efforts pour le réanimer sont restés vains. Le décès de Schwartz, Roger a été constaté par le docteur. Le rapport est bien signé de la main de mon père. Vous voyez bien que c'est un accident? Oui. Sauf que Schwartz et sa mère sont persuadés du contraire. Vous soupçonnez quand même pas votre père d'avoir falsifié son compte-rendu? Je sais plus quoi penser, Francis. Pardon. Excusez-moi. Florent, j'écoute. Nico, comment ça va, mon chéri? T'as reçu ma lettre? Alors, je sors l'instant de la chambre de sûreté, il semblerait que... Un instant, Philippe. C'est son fils. J'ai eu tort, maintenant je te dirai tout, c'est promis. On cherche toujours. Mais on va le retrouver, c'est sûr. Fais confiance à maman, d'accord? Je te rappellerai ce soir. Au revoir, Nicolas. Pardon. Bah, notre ami Chris est de moins en moins frais. On dirait qu'il approche de l'état de manque. Bref, il est bientôt mûr. Philippe, est-ce que tu peux me trouver les coordonnées de tous les gendarmes présents le jour de la mort de Roger Schwartz? Bah, ça fait presque 20 ans, Isabelle. Ils doivent être tous à la retraite, éparpillés aux quatre coins du monde. Mais alors, il existe bien des associations de retraités, des amicales. Mais si c'est trop difficile pour toi, je peux très bien m'en occuper toute seule. D'accord. D'accord. Merci. Oui? Un instant. Maître Evelyne Fontanelle. Oui, maître. Oui, j'ai besoin de vous voir, c'est très urgent. D'accord. Merci. Au revoir. Oui? Adjudant chef Florent. Merci. Non, je ne sais rien de cette histoire à propos de son frère Roger. Rien. Il ne vous en a jamais parlé? C'est étonnant. J'imagine que vous ne savez rien non plus sur l'endroit où il peut se cacher. Je suis avocate, soumise au secret, pas indicatrice de police. De plus, ce genre de choses qu'un malfaiteur confie difficilement. Bien sûr. Malgré les apparences, Schwartz n'est pas un tueur sanguinaire aveugle. Il est même d'une intelligence supérieure à la moyenne. Il ne tuera pas votre père, j'en suis persuadée. Sauf s'il existe entre eux un vrai contentieux. En 20 ans, Schwartz aurait eu 100 fois l'occasion de se venger. Mais le fait qu'il soit tombé sur mon père par hasard a peut-être réveillé en lui de vieux souvenirs. Gardez espoir, adjudant-chef, tout n'est pas perdu. Dites-moi... Lorsque vous êtes venu voir Schwartz l'autre jour dans les locaux de ma brigade... Oui. Il a très bien pu vous informer de la présence de mon père chez moi. Et alors? Vous croyez que c'est moi qui ai contacté ses complices pour leur donner l'information? Accusez-moi d'avoir organisé moi-même l'enlèvement de votre père pendant que vous y êtes. J'ai pas dit ça. Non, mais vous l'avez pensé très fort. Alors je sais que vous avez des raisons d'être perturbée, mais je n'aime pas du tout ce genre d'insinuation. Je suis très inquiète, donc je me pose des questions, même les plus folles. Excusez-moi. Au revoir, maître. Et maintenant, tu vas te mettre à dos l'ordre des avocats. Excuse-moi, Isabelle, mais je trouve vraiment que tu dépasses les bornes. C'était une piste comme une autre. J'en ai pas beaucoup à me mettre sous la dent. Maître Evelyne Fontanelle, enfin, une carrière exemplaire, des clients nombreux et satisfaits, rien à signaler, quoi. Tu veux vérifier? Non, c'est pas la peine. Je sais plus dans quelle direction chercher, Philippe. Bon, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Comme je le pensais, la plupart des gendarmes à l'époque sous les ordres de ton père sont à la retraite aujourd'hui. Il y en a même deux qui... Mais j'ai retrouvé la trace de l'un d'entre eux. Gilbert Lavergne, 26 ans à l'époque. Et détail intéressant, il a démissionné de la gendarmerie à peine 15 jours après la mort de Roger Schwartz. Pas mal, et il habite dans le coin? Une quinzaine de bornes d'ici. Merci. Non, Isabelle, hors de question que tu déboules chez lui comme une furie, t'as compris? Prête-moi les clés de la voiture, s'il te plaît. Écoute-moi. Lavergne, il a sûrement rien à voir avec l'affaire, d'accord? D'accord, Philippe. Merci. Monsieur Lavergne? Oui, c'est moi. Isabelle Florent. Hein?
Ah oui, je vous ai vu à la télé, oui. Ah, je suis désolé pour le commandant Florent. Enfin, je l'appelle le commandant parce que c'était son grade à l'époque. Mais je vous en prie, ne restons pas là, c'est là-bas. Attends, hein. Oh là là, m'en parlez pas. C'est vrai, j'étais de permanence ce jour-là. Une intervention banale qui s'est mal terminée, rien de plus. Vous pouvez me parler des circonstances exactes de la mort de Roger Schwartz? Oui. La bande venait de dépouiller des plaisanciers. Des vrais durs. Nous, ça faisait des semaines qu'on était sur le coup. On est intervenu en fly. Panique générale, le type est tombé à la flotte, il a coulé comme une pierre terminée. Rien d'autre? Non. Monsieur Laverne, vous n'aimez pas beaucoup la gendarmerie, n'est-ce pas? Pourquoi vous me dites ça? C'était comme une famille pour moi. Et puis votre père, c'était un type comme ça. Un sacré bonhomme, le commandant. Alors pourquoi avez-vous démissionné? Ma femme avait un cancer. En phase terminale. Elle est morte le 15 octobre. Deux ou trois jours après cette affaire. J'ai complètement craqué. Une vraie dépression que je traîne toujours avec moi. Excusez-moi. Je vais vous laisser. Si je suis venue vous voir, monsieur Lavergne, c'est parce que je ne peux négliger aucun détail. Vous comprenez? Ça prouve que vous êtes des vrais gendarmes. Des bons gendarmes. Vous descendez les quais de la marine et vous prenez la deuxième. Nicolas, mon amour, comment ça va? Bonjour, Isabelle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, on voulait te faire la surprise. Il a tellement insisté. Vous savez, samedi, c'est l'anniversaire de nos 15 ans de mariage. Alors, je tenais vraiment à être là. Bien sûr. Et l'école? Il a juste manqué un cours de gym. Et puis, j'ai reçu mon bulletin. Il est excellent. T'es contente? Oui, je suis contente. Isabelle, Francis est là? Je pense, oui. Janine, il y a ton baby-foot qui se bat au coin. Regarde qui est là. Bonjour. Bonjour. Tu ne me présentes pas? Si, bien sûr. Cécile Boisson, journaliste. Je t'en ai déjà parlé. Christine, ma femme. Bonjour, madame. Mademoiselle. Alors, c'est elle, le petit visage ingrat? Vous y allez. Bah alors Cécile, t'as pas oublié, t'as vu, on va au restaurant, allez, dépêche-toi, là, on va être en retard, là. Excusez-nous, hein, bonsoir. Bonne soirée. Vous aussi. Quel dragueur, ce roussillon. Ouais, on ne changera pas. Mmh. T'as quelque chose à boire? Ah ouais. Tu m'emmèneras faire un tour sur la vedette? On essaiera, je te promets. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Gros dodo. Maman, demain, il faudrait que je te parle. J'ai plein de questions à te poser. Demain. Entrez. Ça dérange pas? Pardon. Non, non. J'arrivais pas à dormir. Moi non plus, rassure-toi. Ça va aller. Ce soir, j'ai reçu mon ordre de mutation. Je pars pour l'île de la Réunion, à la fin du mois. Tu dois être content. Oui, bien sûr. Enfin, un peu moins depuis que je t'ai retrouvé. Je suis pas très marrante en ce moment. Tu vas voir, je suis sûr qu'on va retrouver ton père. J'ai jeté un œil sur ses mémoires. Rien en ce qui concerne cet épisode qui aurait dû le marquer, pourtant pas un mot. Comme s'il avait voulu tirer un trait sur tout ça.
On a tous dans nos carrières des petites zones d'ombre. Des petits trucs dont on n'est pas spécialement fier. Tu parles en connaissance de cause ? J'étais tout jeune officier de gendarmerie mobile en Nouvelle-Calédonie pendant les événements. Je crois pas que je me suis posé des questions. Quel genre ? Est-ce qu'on n'a pas fait des fautes ? Des erreurs ? Est-ce qu'on s'est pas fait manipuler de A à Z par les politiques ? Ah, on est beaux tous les deux, tiens. Je nous préférais pendant notre stage PJ, il y a 5 ans, tiens. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'as pu me manquer? Je suis réveillée cette nuit, t'étais pas là. Je suis sortie prendre un petit peu l'air. T'as pas dormi ? Si, si. Pourquoi tu regardes comme ça ? C'est chaud. Tu l'aimes bien, Philippe ? Oui. Et Roussillon ? Bah aussi. Pourquoi tu me demandes ça ? Non, parce que je les aime bien, moi aussi. C'est vrai que papy, il a fait des choses pas bien avant. Qui est-ce qui t'a raconté ça ? Tu m'avais promis que tu me dirais tout. Tu sais, ton grand-père, il est comme tout le monde. Et il se peut qu'il ait commis des erreurs dans sa jeunesse. Même si c'est vrai, je l'aimerais toujours. Tu crois qu'on va le retrouver ? Bien sûr. Dis-moi la vérité. Je l'espère de tout mon cœur, Nicolas. Je l'espère très fort. Malheureusement, je suis pas Superman, tu vois. Même pas Superwoman ? Même pas. Mais j'aimerais bien. Ça va pas, Francis ? Pourquoi ça n'irait pas ? Ça va très très bien, très très bien. Et toi, le resto ? Impeccable, hein. Foie gras Riesling, choucroute de poisson, Gewürztraminer, mineur, le bonheur, quoi. C'est con que tu sois pas venu. Et Chris ? Contrairement à moi, il paraît qu'il a passé une très mauvaise nuit. Je vous annonce que vous allez être placé sous mandat de dépôt et présenté au juge. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Yann Vatrin en tôle ? Une petite rumeur en prison. Ça se propage vite. Très vite. Tu imagines le topo ? Chris a parlé, il a livré sa liste de clients à la police. Chris le traître. Chris la balance. Je ne pas à ta place, mon petit vieux. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est pas joli, joli. Attends, c'est pas dégueulasse de fourguer ta cam pourrie à des mômes qui en crèveront ? Dis quelque chose, réponds. Mais réponds, Chris ! Mais Camus, t'es malade ! Je suis malade ! Il veut pas aller en taux pour te soigner. Si tu nous files un petit tuyau, ça peut peut-être s'arranger. C'est vrai, je connaissais Yann Vatrin. Vous m'aviez eu à l'usure, c'est ça. T'étais déjà bien usé, Chris. Il n'a pas fallu frotter beaucoup. Et Schwartz ? Non, non, pas lui. Yann squattait une vieille péniche. J'ai souvent fait des photos là-bas. Et elle est où, cette péniche ? Au bassin d'Austerlitz. Le vieil automoteur de ses parents. La victorieuse. Je sais tout ce que je vous assure. Amenez-le en chambre de sûreté. Appelez un médecin pour l'examiner. On est en place ? Affirmatif, Scott. On est sur le point dans 10 minutes. Reçu, on vous attend.
Plus vite, s'il vous plaît, plus vite. Isabelle, on passe l'écluse et on y est. Calme-toi. Ils sont partis il n'y a pas longtemps. Vol ce Becker, mardi. On approche du but, Isabelle. Allez, viens, viens. Viens. Foltz et Becker, c'est une société de transport fluvial qui possède plusieurs bateaux de luxe. Quel rapport? J'y viens. Mardi prochain est organisée sur le Rhin une grande fête pour des VIP, des directeurs de société et des gros industriels. Tous venus à Strasbourg pour un congrès international. Donc du beau monde, de l'argent et des bijoux, c'est ça? Exactement. Bingo, Foltz et Becker. Foltz et Becker, mais voilà, c'est un des clients de Maître Evelyne Fontanelle. La première idée n'était peut-être pas si mauvaise. Et pourquoi elle a fait ça? Elle se serait laissée entraîner dans un engrenage? Une avocate? D'abord, on s'emballe pas, rien n'est sûr. Et puis, ça serait pas la première fois qu'une avocate tombera amoureuse de son client. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de jouer finement. Bref, si je comprends bien, vos recherches n'ont pas beaucoup avancé. C'est vraiment rageant, n'est-ce pas? Oui. Enfin, voilà, je voulais juste vous tenir au courant de cette affaire. Je suis comme vous, j'aimerais bien que cette affaire se règle au plus vite et le mieux possible. Excusez-moi. Florent, j'écoute. Quoi? Et combien de temps? Très bien, je vous remercie. Du nouveau? Un petit problème d'intendance. La vedette de la brigade fluviale est tombée en panne. Ça va pas nous faciliter le travail. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, mais vous ne m'avez pas dérangé du tout, adjudant-chef. Au revoir. C'est moi. C'est moi. La vedette des gendarmes est en panne. Oui, elle sort à l'instant. Je te laisse, à plus tard. Voilà, notre stratagème a marché, c'est déjà ça. Et au moins, on est fixé sur le sort de Maître Fontanelle. D'accord, ok. Elle a appelé d'un téléphone mobile, d'un numéro inconnu, sans doute un portable volé ou trafiqué. Je me demande si on fait pas une erreur. Laisser Schwartz et sa bande attaquer le bateau, c'est prendre de gros risques. Mais c'est le seul moyen qu'on a pour arrêter l'équipe au grand complet, et surtout en flagrant délit. Et votre ami Crémen, il en dit quoi? Comptez sur moi pour le convaincre. Oui, c'est moi. Monsieur Lavergne? Et comment ça, un scandale? Qui a pris cette photo? Qui a fait cet article? Aucune idée. Enfin! La fuite vient forcément de chez vous! Non seulement on ressort cette vieille histoire en me mettant nommément en cause, mais en plus, avec cet article, on peut localiser sans mal ma maison! Bravo! Et alors? Mais si Schwartz tombe sur ce canard, je suis en danger, moi! En danger de mort! Je pensais que vous n'aviez rien à vous reprocher, que tout cela n'était qu'un regrettable accident. Pourquoi ne pas nous dire simplement la vérité, monsieur Lavergne? C'était une interpellation musclée, c'est vrai.
Roger Schwartz s'est foutu de moi, je l'ai pas supporté. Je l'ai frappé à la tête d'un coup de crosse et il est tombé à l'eau. Je sais pas ce qui m'a pris, surtout qu'il était plus menaçant à ce moment-là. Et mon père? Il connaissait mes problèmes, la maladie. Il m'a simplement demandé de démissionner, ce que j'ai fait 15 jours plus tard pour raison personnelle, voilà. Il était là ce jour-là et il a tout vu? Je ne vous répondrai pas. Vous m'avez répondu. Qu'ont dit ses supérieurs? Ils n'en ont jamais rien su. Vous savez, mon sort n'a aucune importance. Mais le colonel pourrait avoir de gros ennuis si cette histoire refaisait surface. Et je n'aimerais vraiment pas. Surtout si le scandale éclate à cause de moi et de sa propre fille. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lavergne, je vais faire placer une surveillance permanente autour de chez vous. Madame, une petite coupe de champagne. Merci. Madame, une coupe de champagne. Merci. Tout est OK? Tout est OK, rien à signaler pour l'instant. Il me semble vous avoir déjà rencontré. Je crois qu'ils vont arriver sur vous par bâbord. Le comité d'accueil est en place. Je les ai en visuel. Tout le monde a son poste. Je ne sais pas comment j'ai pu me laisser convaincre par ton plan, mais Isabelle, je te donne l'ordre de ne faire prendre aucun risque aux passagers. T'as compris ? Vers l'est, essayez de l'intercepter avant qu'il ne touche terre. Ses complices sont neutralisés. Isabelle, il fonce vers la plage. Je peux pas le suivre, il n'y a pas assez de fond, notre vedette va s'échouer. Arrêtez, Schwartz. Vous voyez bien que vous n'avez plus aucune chance. Avant de finir ma vie en tôle, j'ai un compte à régler avec Lavergne. Il va payer pour mon frère. Isabelle, ton père est vivant. Vivant, je te dis. Merci, Philippe. Merci. Je veux un hélicoptère immédiatement. Mise en place de barrages en direction de l'est et du nord.
Zénith, vous avez quand même trouvé des équipes. J'ai reçu à 14. La D31, c'est le chemin de la maison de la veuve. Faut absolument que je le prévienne. Ça répond pas, Roussillon. Ça répond pas. Où est le peloton de surveillance que je vous avais demandé? Vous avez été appelé sur un accident à 10 km de chez la veuve. Ils seront jamais là. Attends. C'est pas vrai. Vous partez sans moi. Je vous rejoins. J'ai une... immédiatement et vous rendre sur le parking de la fluviale. J'ai reçu Alpha, on décroche. La boucle est bouclée, là, hein? Tu vois, Laverne, moi aussi, j'ai les journaux. Allez! Allez, vite! Avance! Allez, ouvre-moi ça, vite! Mon colonel, je vous demande pardon pour tout. Vous en faites pas, Laverne. Il est foutu. De toute façon, notre sort sont intimement liés, colonel. Schwartz, tu peux faire ce que tu veux avec moi, mais relâche-le. Relâche-le, mon Dieu! Un pas de plus, c'est à la mort du colonel sur la conscience. Allez là-bas! Allez vite! Dans la maison, là! Allez! Allez, monte là, vite! Merde, il veut pas répondre, ce salaud. Et Isabelle, qu'est-ce qu'elle fout? Vous en faites pas, elle va arriver. Je vais peut-être crever dans pas longtemps, mais vous y passerez aussi. Se rendre. Dites-lui. Non. Votre fils n'a aucune chance. Votre père non plus. Vous aviez raison, Madame Schwartz. Laverne et mon père ont couvert une bavure. Ils sont complices de la mort de Roger. Ce serait terrible pour la gendarmerie si ça se savait. Et alors? Je pense que leur intérêt, ce serait que tout le monde soit tué dans cette affaire. Un assaut sanglant. Pas de survivants. Comme ça, on n'en parle plus jamais. Vous ne dites rien, vous trouviez ça normal? C'est votre père, non? Je n'ai plus confiance en mes collègues. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Vous inquiétez pas. Elle sait ce qu'elle fait. Faut qu'on trouve une issue, vous et moi. Personne d'autre ne peut les aider. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Lucien? Je sais pas. 5 ans? 10 ans? Ça fait combien de temps que vous lui avez pas parlé, que vous l'avez pas embrassé? Capitaine,
mon capitaine. Je vous demande de retarder l'assaut de 10 minutes. Impossible, Isabelle. Tout est lancé. Schwartz est trop dangereux. Vous savez ce que ça signifie pour mon père ? Désolé, Isabelle. C'est votre dernier mot ? Oui. On se met en place immédiatement. Vous êtes vraiment des salauds. Des salauds ! Isabelle ! Foutez-moi la paix ! On n'en restera pas là, mon capitaine. La politique de la terre brûlée, n'est-ce pas ? On y passe tous et pas ça. Vous voyez nos solutions ? T'es dingue, un vrai malade. Ta gueule ! On y va. Rends-toi, Lucien. Rends-toi, je t'en supplie. Fais ça pour moi. Pour Roger. Rends-toi, je t'en supplie. Qu'est-ce que t'attends, Schwartz? Merci, madame Schwartz. Merci. Oh, ma petite fille. C'est bien ce que tu as fait là. Alors, tu penses toujours que c'est pas un métier pour moi ? Ils ne comprendront jamais. C'est ça notre force. J'espère que vous trouverez un meilleur avocat. Ma mère. Est-ce que je pourrais la voir ? Bien sûr. Merci. Est-ce que vous savez qui a tué Yann Vatrin ? Non, mais on finira bien par le savoir. Et puis l'assassin de Vatrin présente un gros avantage pour nous. Ah oui ? Il est déjà en prison. Emmenez-le, messieurs. J'insiste. Bon champagne, bon. Je suis fou, c'est tout. Et oui, le privilège d'être célibataire. À nos 15 ans, Francis. À nos 15 ans. À vos 15 ans. Tchin. Excusez-moi. C'est vrai. Le gendarme Lavergne a perdu son sang-froid ce jour-là. Je n'ai pas noté dans mon rapport. Sa femme mourante, dépression. Je n'ai pas osé sévir. C'est une faute grave, je l'admets. Mais je n'arrive pas à la regretter. Tu vas pouvoir te remettre au travail, papa. Quand
Quand on se lance dans une entreprise comme celle-là, on dit tout ou rien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Et puis j'ai pas envie de le savoir. Papy! Quand est-ce qu'on va faire un tour dans la vedette? Tu m'avais promis. Ah bien, on y va tout de suite. Et c'est moi qui vais piloter. T'aurais pas un peu oublié la technique? Ah, complètement. Mais c'est ça qui est drôle. Ah, je suis désolé, mon colonel, mais je ne vous laisserai pas prendre un tel risque. Vous voulez dire que parce que je ne suis... Plus gendarme, papa. Hein, quoi? Oui, plus gendarme, je n'ai pas le droit de piloter cette vedette? Exactement, mon colonel. Avec tous mes regrets. Sauf le respect que je vous dois, bien sûr. Bon. Je peux essayer de piloter? Ah. Le problème avec toi, Nicolas, c'est que tu n'es pas encore... Gendarme? Mais je veux plus être gendarme maintenant, je veux être marin.